Le Cheval Camargue sera l'honneur pendant 2 jours au domaine Paul Ricard de Méjean. Ils seront présents au concours national d'équitation de travail, mais aussi dans les spectacles équestres pour cette 33e édition de la Feria du Cheval. Méjean a toujours été le berceau de l'équitation, l'équitation camarguaise, et bien sûr, oui. Nous sommes très honorés que Méjean soit une référence pour les cavaliers. La société Ricard suit l'engagement de mon père, Paul Ricard, sur tout ce qui est tradition et Camargue. C'est un rapprochement qui nous permet de vivre une journée de la convivialité, qui est aussi un des enseignements de Paul Ricard. Le 4e concours des étoiles de Méjean, quant à lui, présentera 15 jeunes cavaliers. Tous vont montrer leur savoir-faire en dressage, voltige et autres activités équestres. Mais le point d'orgue sera la région d'or où cette année il sera rendu un hommage et il y aura une prise d'alternative. C'est l'hommage 25 ans d'alternative du maestre des maestres Pablo Hermoso Mendoza, en partie avec le quadruple vainqueur du région d'or, le portugais Rui Fernandes, qui donneront l'alternative à Rines Cartarène, le fils du grand Rines Cartarène. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses parce qu'il y a un lien familial, un lien d'amitié avec la famille Cartarène et avec tous les gens qui participent à cette corrida. Plus de 300 chevaux seront présents le 18 et 19 juillet pour cette Feria du Cheval sur le site de la Méjean. Mais aussi un hommage à Frédéric Mistral, fervent défenseur de la culture et de la langue provençale, lui sera rendu pour le 100e anniversaire de sa mort.